chaîne Kathleen et le DP. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un unboxing qui vient de chez AliExpress. C'est une commande que j'attendais pour mon fils. Alors, je vais récupérer ma tablette pour vous donner toutes les infos. Alors, comme je vous l'ai dit, je note tout sur une application sur ma tablette. Comme ça, je vais marquer comme quoi je l'ai reçu également. Alors, on est parti. Ça rame un peu, dis donc. Alors, c'est à placer celle-ci. Je vais noter le changement. Donc, on va marquer comme quoi elle est reçue. Donc, c'est une commande que j'avais faite le 1er avril. Et je l'ai reçue aujourd'hui, le mercredi 14 avril. Donc, on va l'ouvrir et on va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, je l'ai fait chez le vendeur Evershine. On a dedans les diamants, on a la toile et on a le tout kit. Donc dans le tout kit, hein, c'est comme d'habitude, hein, on a le stylet transparent avec la mousse et le multiplaceur. On a la pince que j'aime beaucoup, hein, que j'utilise, la barquette blanche, deux pains de colle et un second multiplaceur. Je crois qu'il est de 10 celui-là ou de 9. Je ne sais plus exactement. C'est pas noté, on voilà. Et il y a un plus grand multiplaceur également. Donc hein, c'est le kit habituel hein, chez Evershine, hein, ça ne change pas. Donc je me le garde de côté. On fera les diamants après et on va découvrir la toile. Alors, comme d'habitude, elle est quand même emballée dans du plastique, hein, donc voilà. Je n'ai pas prévu de ciseaux, donc j'espère voilà, que ça va s'ouvrir sans problème. Bon, bah, j'irai chercher. Le cutter pour donner un coup, je crois que ça va être plus simple. Hop, il est derrière. Super, ça s'est ouvert facilement. Donc j'enlève tout ça. Ça, j'en ai plus besoin. Et on va regarder cette toile. Alors, vous regardez pas mes mains surtout. Hein. Je sors du travail, je me suis dit je vais faire tout de suite la vidéo. Après j'ai mon fils qui revient, ça sera un peu plus compliqué de la faire, donc je voulais la faire vraiment de suite avant qu'il arrive. Hop. Hop, on va cacher le dessin. Donc c'est une toile en 40 par 30, et donc là je vois qu'il y a 35 couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais noter tout de suite le nombre de couleurs sur la tablette. Comme ça, ce sera fait. Donc j'ai dit en carré complet. Donc c'est bon. Donc c'est des diamants carrés. Et allez, on découvre ça. Je vous l'ouvre. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est une commande que j'ai faite pour lui faire avant son anniversaire, parce que tout simplement son anniversaire est sur ce thème-là. Et voilà. Donc j'avais pas voulu vous dire le thème de son anniversaire dans ma précédente vidéo pour pas spoiler cette vidéo-là. Donc c'est la patrouille. Donc on a vraiment tous les personnages.
principaux de la Pat Patrouille. C'est un dessin animé qu'il adore vraiment. Donc voilà, on n'arrive pas, on a beau essayer de lui faire changer un peu de dessin animé, ça reste son dessin animé favori. Hein, donc on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà, et donc il va faire son anniversaire sur ce thème-là. Donc j'avais décidé de lui faire une toile pour mettre en déco le jour de son anniversaire. Donc je replierai ma toile après correctement. Donc, on continue. On a sur la toile le nombre de couleurs, donc je vous ai dit 35, les symboles, les DMC et la quantité de diamants à poser par couleur. Donc c'est une toile hein, qui colle très bien, hein. Oh, même parfaitement bien. Hein, on peut y aller, vous voyez, mon doigt reste bien collé. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a des symboles très très bien imprimés. Et on va regarder ces diamants. Donc comme d'habitude, ce qui est bien chez Evershine, c'est que les diamants sont en sachet zip. Donc c'est plutôt cool. On va regarder ça. On a beaucoup de vert, de bleu hein, quand même. Allez, on va sortir tout ça et on va regarder. Alors je vais en prendre un. La couleur 26. Donc on a à nouveau le numéro de la couleur. On a la DMC et à côté, on a un chiffre, enfin un nombre, 2881. Donc, si je prends la couleur 26, il nous faut 2550 diamants et dans le sachet, il y a 2881 diamants. Voilà, donc le dernier chiffre, c'est le nombre de diamants par sachet. Donc, c'est assez bien parce qu'on sait à peu près quand même le nombre de diamants qu'il y a dans les sachets et le nombre de diamants qu'il nous faut. Donc, on voit s'il va nous en manquer ou non. Donc, on a du bleu. Alors, je vais vous faire voir, on a beaucoup de bleu. Différentes teintes de bleu, mais on a énormément, énormément de bleu. Voilà. Donc, on reste dans du bleu. Hein. C'est toujours du bleu, ça. Hein. Voilà. C'est du bleu vert, mais ça reste dans ses couleurs. On a encore du bleu. Encore du bleu. Donc voilà, comme je vous dis, on a énormément de bleu. Là, on tire un peu sur plus du gris, mais on a que ça reste... voilà. Ah, on a encore du bleu ici. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Du bleu. Oh, il en reste un là-dedans. Après, on part sur du vert. Différentes sortes de vert. Encore du vert. Encore du vert. Donc ça, c'est plutôt cool. Du vert. Et après, bon, ben, on part dans du marron. Hein, on a plusieurs sortes également de marron. Donc là, hop, encore du marron. Tiens donc, encore du marron. Toujours du marron. C'est différentes sortes, mais ça reste des marrons. Hein. Voilà. Voilà. On va partir un peu dans des jaunes. Encore du jaune. C'est un peu plus dans le beige. Voilà, couleur un peu rose-saumon. Du rose. Bah, j'avais dit encore du marron. Bah, tenez, regardez. Encore du marron. Ouais, là aussi, c'est une sorte un peu de marron. Hein. Donc, voilà. Ça reste beaucoup différentes. Enfin, il n'y a pas tant de couleurs différentes. Mais il y a différentes teintes dans la même couleur. Donc, voilà. Plus exactement, on a du rouge. On a un peu de violet qui était resté dans le sachet. On a... voilà. Et on a du gris. Donc, voilà, toute une panel de couleurs. Mon fils va être super content tout à l'heure quand... quand je vais lui montrer, il va être super content de ses couleurs. Hein. Enfin, sa toile surtout, il va vouloir que je la commence rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, je la ferai en parallèle de mes deux toiles que j'ai déjà en cours. Parce que bah, son anniversaire est normalement fin mai. Enfin, son anniversaire est fin mai, donc on est censé normalement le faire fin mai si
la crise nous le permet, on va dire, cette situation sanitaire nous le permet. Et donc, ben, il faudrait qu'elle soit prête pour cette date-là. Donc, il va falloir que je m'y mette, parce que vu que j'en ai deux autres en cours en même temps, je ne vais pas m'y mettre trop tard. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo, hein, elle n'est pas très très longue, mais c'était vraiment pour vous présenter cette toile avant que je la fasse, avant que je la commence. Je ferai peut-être un peu avec vous, un petit vlog avec vous sur la toile. Mais bon, voilà, au moins vous avez déjà la présentation. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à laisser un petit pouce en l'air sous la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que cela vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye!